Ouais. Hé, hey, vous. Monsieur. Montez. C'est à moi que vous parlez. J'ai dit montez. Ah, débarrassez-vous de ça. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Dis-toi que je suis ton génie pour la journée. Quel est ton premier souhait? J'ai faim. Ah. Mange. Mange. C'est bon? Oui, monsieur, c'est... Appelle-moi monsieur Brayton. Tiens. John, ramène-nous à la maison. Mais, monsieur... Ok. Ça devrait vous aller parfaitement. Je peux pas prendre ça, c'est trop. Écoute, tu as mangé, tu as pris un verre et une douche. Maintenant, il faut payer. Quoi? De quoi est-ce que vous parlez? J'ai peut-être pas de maison, mais je suis pas comme ça. Tu pensais que toi et moi, ça va pas ou quoi? Je rencontre un investisseur ce soir, et j'ai besoin de quelqu'un pour jouer ma fiancée. Juste pour une nuit. Et tu es... parfait. Pourquoi moi? Tu connais des blagues? Des blagues? Oui, des blagues. Mon horoscope disait que mon cœur allait se briser dans 12 ans. Alors j'ai acheté un chiot pour me remonter le moral. Laisse tomber. Contente-toi de sourire. Il est temps pour toi d'aller au salon. Ensuite, John t'emmènera au restaurant pour nous rejoindre. C'est très bien. Mais je ne comprends pas, vous auriez pu l'envoyer par courrier. Et vous savez, ce n'est pas seulement le contrat. Monsieur Kirby, je voulais juste vous présenter quelqu'un. Et la voilà. Monsieur Kirby, voici ma petite amie. Pam! Quel adorable prénom. Oh, merci. Oui. Chérie, j'ai déjà commandé ton plat préféré. Des escargots. Oh. Tu sais, j'ai pas vraiment faim. Ah, tu veux que je te nourrisse moi-même? Kyle? Oui? Eh bien, je suis très surpris. Pourquoi? Eh bien, vous savez... il y a des rumeurs comme quoi vous seriez raciste. Monsieur Kirby, j'espère que vous n'avez pas cru à ces bêtises. Surtout... parce que Pam et moi, nous sommes ensemble depuis longtemps. Oui. Oh, portons un toast. Au nouveau départ, pour ainsi dire. Oh, chérie. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Pamela Louise Jenkinson, veux-tu m'épouser?
bien sûr que je le veux. Bravo! Ah, mais quelle performance! Et vous devriez gagner un Oscar, hein? Mais pas un contrat. Monsieur, de quoi est-ce que vous parlez? Vous pensiez vraiment que cette arnaque allait marcher? Combien vous l'avez payé? Monsieur, je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Monsieur Kirby. Quand est son anniversaire? C'est... Le 8... Taisez-vous! C'est quand? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est... Vous connaissez au moins son nom? Monsieur Brighton. Monsieur Brighton. Monsieur Kirby. Merci pour le divertissement. Je suis sûr que mes collègues vont adorer cette petite histoire. Au revoir. Ça te tuerait d'être un peu contente? Ah, qu'est-ce que je peux bien attendre d'une sans-abri? Tu sais quoi? Va te faire voir! Toi-même! Non, toi! Clocharde! Sale raciste! Arrête! Ok, je suis désolé. C'était une idée stupide, de toute façon. Achète-toi tout ce que tu veux. Attends. Quoi? Je peux encore t'être utile. Comment? On peut participer? Quoi faire? T'as besoin de sauver ta carrière. Tu pourrais prendre des photos de nous, on s'amuse, les poster sur les réseaux sociaux, et peut-être que quelqu'un se dira que t'es pas complètement... raciste. Peut-être que t'es pas aussi stupide que je le croyais. C'est une bonne idée, en fait. Comment tu peux manger ça? Quoi? C'est pas comment... Choisir des aliments que tu aimes? Non, danser. Tout le monde sait danser, c'est comme faire du vélo. Je sais pas faire ça non plus. Ok, bon. Une chose à la fois. Allons-y. D'accord. J'avais jamais rien gagné de toute ma vie. T'as pris de jolies photos? Oui. Elles sont toutes bien. Je peux te les envoyer. Tu te moques de moi. Oh. Désolé. Je suis bête. Oh, et ben, t'as déjà fait du chemin depuis le début de la soirée. Où est-ce que t'as appris à bouger comme ça? Ma mère était une bonne danseuse. Oh, et où est-ce qu'elle est maintenant? Elle est morte. Je... Ne fais pas comme si tu avais pitié de moi, ça me rend malade. Oh, c'est juste que... T'es une personne incroyable. Et je comprends pas pourquoi tu as tous ces problèmes. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Tu ne me mens pas.
Juste pousse-toi de là. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que j'étais pas une call girl. Mais je le sais très bien. Ah ouais? C'est quoi ça? Pam. J'ai de la dignité. Et même si tu m'as trouvée dans la rue, ça veut pas dire que je vais juste rester ici et faire n'importe quoi. Pam! Quoi? C'est de l'argent pour la femme de ménage. J'ai pas posté ces photos. Je voulais juste te le dire. Pourquoi? Parce que... ça n'a plus d'importance maintenant. Tu m'as beaucoup appris en une seule journée. Et je me fiche de ce que les gens pensent. J'ai pris ma décision. Et alors? Je veux continuer à apprendre comment vivre cette vie avec toi. T'as déjà fait de moi un homme meilleur. Et j'ai réalisé que j'étais un idiot dès que je me suis vu dans tes yeux. S'il te plaît, reste. Parce que j'ai deux nouveaux vélos dehors et sans ton aide, ils vont prendre la poussière dans le garage. Et si tu tombes amoureux et que tu me brises le cœur? Alors dans ce cas, je t'achèterai un chiot.